Bonjour tout le monde et la revue du jour est enfin James Bond avec Skyfall. Les principaux acteurs Daniel Craig pour James Bond 00, Judi Dench M et Javier Bardem dans le rôle de Silva. La loyauté de James Bond envers M va être mise cette fois-ci à l'épreuve alors que son passé va revenir la hanter. Le MI6, alors qu'il va être attaqué, va forcer 00 à pourchasser mais éliminer la menace, quel qu'en soit le prix. Ce n'est pas le meilleur James Bond de tous les temps, c'est un excellent James Bond, au même titre que Casino Royale ou que d'autres James Bond qui ont été faits. Pendant un certain moment, en fait, jusqu'à ce que James Bond retourne à nouveau sur le terrain, on le voit avoir un certain nombre de questions sur son travail, tout ce que ça représente, tout ce que ça sous-entend, tout ce que ça exige aussi au niveau émotionnel, mental, surtout au niveau physique, puisqu'il y a toujours ce conditionnement physique, la forme à avoir pour pouvoir courir à tout vent et faire tout ce que son travail lui exige de faire. Il vieillit, oui, James Bond vieillit. Il n'a pas la même échelle de temps que nous autres êtres humains. C'est vrai qu'il vieillit différemment, mais ça n'empêche qu'il finit par vieillir aussi. Donc tout ça est comme pris un peu dans la balance, est-ce qu'il a envie de continuer à faire ce travail-là ou pas? Mais ses doutes vont être complètement balayés à la toute fin quand M va lui réaffirmer son entière confiance en lui. Alors certains ont sûrement entendu que Skyfall s'aventurait dans le passé et l'enfance de James Bond. Je suis obligée de dire que non, ça n'est pas parce qu'on nous emmène sur le lieu de naissance ou qu'on voit la maison d'enfance de James Bond en Écosse qu'on peut dire pour autant qu'on en découvre davantage sur son passé. Parce que on n'en découvre pas davantage que ce qu'on sait déjà de tous les James Bond qui ont été faits avant, ou pour ceux qui ont lu les nouvelles de Ian Fleming, si ça se trouve, eux-mêmes, ils en savent davantage par les nouvelles qui sont souvent plus détaillées. Mais en tout cas, dans Skyfall, on n'en découvre pas davantage sur son passé. La nouveauté, par contre, et j'ai cru comprendre que c'était beaucoup grâce à Daniel Craig, de ce côté-là, il faut le remercier pour ça, c'est le côté émotionnel qui est montré et qui est mis de l'avant avec James Bond. C'est quelque chose qu'on n'est évidemment pas habitué à voir dans aucun James Bond. Et de le voir se soucier pour la vie des autres, c'est très surprenant. Et c'est la bonne chose évidemment pour nous rappeler que c'est un être humain qui a des sentiments. Et parce qu'il fait un travail très dangereux et difficile, il doit évidemment bloquer et fermer toute émotion pour pouvoir, comme il... C'était qui? C'était Pierce Brosnan qui l'avait dit une fois dans un film, pour pouvoir rester en vie, c'est ce qu'il maintient en vie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et je dirais qu'on va aller montrer cette émotion, ce degré d'émotion, particulièrement à la toute fin du film, dans la scène de la chapelle en Écosse. Et non, je ne dirai pas davantage cette scène parce que c'est tout à la fin, ce qui veut dire qu'il y a un tas de choses avant qui se passent et pour lesquelles vous devez absolument regarder le film parce que sinon ça va tout vous gâcher. Il ne faut rien révéler quand c'est pas le moment. Par contre, ce que je peux dire pour revenir à cette scène de la chapelle, c'est qu'une fois que le méchant meurt, parce que c'est évident qu'il va mourir quand même, ce qui, moi, m'a pris par surprise, c'est vraiment les larmes qu'il verse pour cette personne. On ne s'attend pas du tout à ce genre de réaction pour cette personne. Et ça, c'est vraiment surprenant de la part de James Bond. Parce qu'il n'a pas vraiment versé de larmes quand Vesper est morte dans Casino Royale. Donc, pour cette personne, c'est vraiment surprenant. Et je pense qu'on peut expliquer très facilement cette scène, cette réaction. Et en même temps, c'est parce que ça permet d'expliquer aussi un volet qu'on a retrouvé à chaque fois dans tous les James Bond par rapport
au trait de caractère de James Bond, en tant qu'orphelin, ce que le pays, la Grande-Bretagne, ce que le MI6 représente pour lui, c'est une famille. Et il est prêt à tout pour cette famille, aussi imparfaite et dysfonctionnelle qu'elle puisse être, il ferait n'importe quoi pour elle. Aller au-delà de sa mission, et c'est ce qu'il fait dans Skyfall, il va au-delà de sa mission. Il y va vraiment avec tout son cœur. Et c'est à ça qu'on peut expliquer cette réaction, ces larmes qui sont versées pour cette personne qui représente d'une certaine façon, qui tient une place de parent, autant de père que de mère. Pour James Bond, il y a beaucoup de scènes d'action dans Skyfall, de scènes très impressionnantes. C'est difficile déjà de les nommer toutes ou de dire quelle serait la préférée. Je vais plutôt aller dans le sens que la plus intense pour moi est celle qui se passe à Shanghai quand James Bond essaie de grimper, c'est presque le cas de le dire, dans cet ascenseur transparent. Et je ne dirai pas davantage pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais autant ça dure quelques secondes cette scène, mais moi quand je l'ai vue la première fois, ma réaction a été comme tellement c'est intense, c'est tellement, tu te dis c'est pas vrai, il va mourir, ça y est c'est fait, c'est 5 minutes après le début, non pas tout à fait 5 minutes, mais ça y est ils vont le tuer là avec cette scène, incroyable, incroyable cette scène, pour moi en tout cas là, au niveau de la réaction, j'avais la chair de poule partout, tellement c'est quelques secondes, mais elle est intense. Oui, enfin, ça y est, on a à nouveau une vraie chanson de James Bond. Il était temps, parce que les deux derniers... Donc là, au moins, on a quelque chose qui est vraiment impeccable. Et le générique visuel est un excellent mélange également entre les paroles de la chanson et ce qu'on va voir ou ce qu'on attend de voir un peu dans le film. J'ai toujours cette image de ces dragons colorés en feu qui flottent et qui viennent vers vous. Là. C'est vraiment impressionnant. Alors, est-ce que j'ai besoin vraiment de vous confirmer à quel point Skyfall, le nouveau James Bond, est un film qui est bon, qui est excellent, qui est absolument incroyable, qui est vraiment trop génial, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué avec tout ce que j'ai dit précédemment. Courez le voir, n'attendez plus. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment. La loyauté de James Bond envers M va être mise à l'épreuve alors que le passé de cette dernière va revenir la hanter. Le MI6 a été déclaré infecté par les rats.